On l'a mis en place il y a 7-8 ans, je crois, avec sur des courses à l'étranger ou ailleurs, on se rencontrait avec des organisateurs de courses, on se croisait sur les courses, on se disait très bien de faire un challenge en Bretagne, et donc on a, voilà, c'est parti comme ça de 3 courses au départ avec le Glazik, Guerre-les-Dents, la Berbrac et le bout du monde, 5 courses. Et on a lancé cette idée-là, et ça a bien pris, et maintenant c'est devenu un peu... un petit peu une institution, c'est vraiment devenu le challenge des références de ce qu'on appelle des longues distances en Bretagne, qui ne sont absolument pas des longues distances en montagne, mais c'est devenu un peu le challenge des longues distances en Bretagne. Et c'est un challenge qui attire de plus en plus de monde et qui attire surtout toute l'élite, autant chez les hommes que chez les femmes du Grand Ouest. Cette année, c'est un scénario important. On a de la chance parce que nous, on est la première épreuve du West Rail Tour, c'est le Glazik qui a lieu au mois de février. La dernière épreuve, c'est Moncontour. Et depuis la création, on a la chance que jamais le podium n'a été défini avant Moncontour. Donc à chaque fois, c'est les places du podium se jouent à Moncontour. Là cette année, chez les filles, la première place, la première et deuxième place. Là cette année, chez les filles, la première place, la première et deuxième place sont déjà acquises, Camille Monnier et Annelise Le Quéré. Et pour la troisième place, il y a 3 filles qui vont se battre bec et ongle pour décrocher leur ticket pour les Canaries. Et chez les hommes, sauf accident, Francis Garnier devrait finir premier du West Rail Tour. Sauf accident parce qu'il peut encore être battu. Et après, sur la 2 et 3e place, ils sont 4 à... Non, ils sont 3 pour les deux places qui suivent. Donc ça va être assez magique de suivre ce match dans le match un petit peu, quoi.